Je suis avec François-Xavier Ménage, qui est un ancien d'RMC, mais qui est sur BFM TV, mais qui revient sur RMC avec grand plaisir. Bonjour François-Xavier. Bonjour, bonjour à tous. Qui a suivi hier soir tout ce qui s'est passé au Trocadéro. Et vous voudriez, François-Xavier, établir certaines vérités. D'abord, est-ce qu'il y avait suffisamment de policiers? Non, clairement non. Pas. Il faut se rappeler les chiffres. Le préfet de police de Paris dit, dans une conférence de presse à 23h, retransmise partout, il y avait 800 forces de l'ordre. Peut-être, mais une fois que les dommages étaient déjà enregistrés. Parce ouais. qu'à 20h, quand au plus fort de la vague de violence, il y a eu effectivement des scènes de panique, notamment du côté du Trocadéro, ouais. les CRS n'étaient pour ainsi dire presque pas là. Je vous donne un exemple. 10 minutes avant que les magasins, et ils ont été quelques-uns, n'ont été pillés, en tout cas cassés, eh bien les CRS... Une dizaine de fourgons de CRS sont partis. On a entendu l'ordre dans un talkie-walkie, et cet ordre était très clair, il faut partir. On ne connaît pas les raisons exactes de ce départ, mais le fait est que les riverains, mais aussi les supporters, ne comprenaient pas ce mouvement. Et bien, 10 minutes après, on a eu les casses qu'on connaît et ces images qui, évidemment, effraient une partie de la France aujourd'hui. Bon, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, j'ai entendu le préfet de police nous dire il y avait des milliers de casseurs. Franchement, où étaient-ils, ces milliers de casseurs? 4 fois, c'est pas un hasard. 4 fois, il a répété ça dans sa conférence de presse. Des milliers de casseurs. Eh bien, on compte encore aujourd'hui, on n'arrive pas à les voir. Des dizaines, c'est une certitude. Peut-être 100, peut-être 200 si on est vraiment généreux, mais sûrement pas davantage. Après, c'est vrai, ils étaient assez organisés. Certains étaient cagoulés, d'autres non. Il y a eu des violences physiques, on l'a vu. Des violences verbales aussi. Et il faut bien le dire, on est dans un des endroits très touristiques à Paris. Moi, je me rappelle encore, parce qu'on était à côté d'eux, le visage d'une Américaine et d'une Canadienne qui étaient en vacances ici, qui étaient apeurées à l'intérieur d'un restaurant chinois, enfermées, claquemurées à l'intérieur de ce restaurant. Restaurant qui nous a accueillis, d'ailleurs, parce qu'on n'était pas les bienvenus, nous, les journalistes. Eh bien, ces deux femmes n'imaginaient pas qu'à Paris, on pouvait connaître cela. C'était isolé, c'est pas ce qu'on vit tous les jours, évidemment, mais... Franchement, ça a choqué nombre de touristes. Oui, mais François-Xavier, ces casseurs, c'était des supporters du Paris Saint-Germain ou des casseurs qui sont venus se mêler à la fête? On a entendu en tout cas des slogans footballistiques au moment où ça cassait. Donc déjà, c'est une certitude, sans qu'on connaisse la proportion, il y avait parmi les casseurs des supporters du PSG, c'est une certitude. Maintenant, il y avait évidemment des éléments perturbateurs dont on ne peut pas dire qu'ils sont forcément rattachés au PSG. La proportion, c'est une autre affaire. Et pour l'instant, comme le dit Manuel Valls lui-même, il demande une enquête. Et bien, on verra ce qu'il en est. On verra ce qu'il en est. Manuel Valls, qui sera avec nous vendredi matin, 8h35, 9h. Il aura peut-être les résultats de cette enquête, Manuel Valls, parce que il a commencé à répondre. Mais c'est insuffisant. Il va falloir savoir, y a-t-il eu une préparation? Qui a demandé, d'ailleurs, que la fête ait lieu au Trocadéro? C'est le club, j'imagine. On ose imaginer. D'ailleurs, quand même, c'est ça aussi qui est assez intéressant. Oui. Il y avait... Mais vraiment des moyens colossaux qui étaient mis en place. Les Qataris voulaient qu'on fête cette victoire. Rappelez-vous d'ailleurs, Nicolas Sarkozy lui-même avait choisi ce lieu emblématique de la France dans l'un de ses derniers meetings avant la présidentielle. Et bien là, tout était... Vous savez pourquoi les Qataris souhaitaient le Trocadéro? Pour que la Tour Eiffel soit en arrière-plan. Voilà, c'est une opération de communication. Malheureusement, une opération de communication, ça se prépare. Et c'était parfaitement... C'était mal préparé. Alors, c'était pas préparé. Techniquement, c'était parfait. Il y avait des caméras partout, des Luma. Vous savez, c'est ces espèces d'énormes bras qui permettent de faire des mouvements de travelling comme dans un film de Scorsese. Ça, c'était parfait. Le problème, et on l'a bien constaté, c'est que le PSG a aussi un service de sécurité. Oui. Service de sécurité totalement débordé. Des hommes qui pratiquement criaient au secours parce qu'il y a eu des mouvements de foule, notamment sur ce praticable où étaient les journalistes et où des dizaines et des dizaines de supporters du PSG sont rentrés parce qu'ils n'avaient pas une bonne vue là où ils étaient. Et donc ils ont cassé les barrières, ils sont montés sur ces praticables et on a demandé aux journalistes partez. Partez sinon tout va s'effondrer. Oui. Et il y avait à côté également d'autres supporters qui étaient sur des échafaudages, parce qu'il y a des travaux en ce moment sur la place du Trocadéro, dans des positions hyper dangereuses, il faut dire ce qui est. Et bien là aussi, le PSG n'arrivait pas à maîtriser ses mouvements. François-Xavier.